voilà pour la deuxième édition de ce festival qui a commencé l'an dernier et qui a eu un succès retentissant puisque ça a été une énorme fête littéraire. Une quarantaine d'écrivains, des journalistes du monde entier, des sommités mondiales. Voilà, les Africains sont venus des quatre coins de l'Afrique, de la diaspora, les Afro-descendants. Ce qui fait que vraiment, ça a été quelques jours inoubliables. Et évidemment, on ne pouvait pas ne pas réitérer l'événement qui est très difficile à porter parce que on a eu des soutiens très importants comme la Société Générale où nous sommes aujourd'hui, comme l'université l'UM6P, comme le ministère de la Culture qui nous a soutenus très sérieusement. Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle édition le mois de février prochain. La programmation de cette année, bien évidemment, elle va tourner autour d'une cinquantaine d'écrivains que nous avons invités en provenance de 25 pays. On a invité des grands noms de la littérature et des littératures africaines, comme Le Clésio, qui est président d'honneur, qui va revenir cette année, mais aussi quelqu'un comme Alain Mabonkou, Abdeltef Lelabi, Wassine Larej, Raphaël Confiant, Miyakoutou, enfin bref, un certain nombre d'écrivains qui sont arabophones, francophones, anglophones, lusophones. Mais nous avons invité aussi un certain nombre de jeunes plumes qui sont des primo-romanciers, genre Seynabou Sanko, genre Mouhtar, genre Wilfried Nsondé, etc. Et l'idée, c'est véritablement de faire découvrir au public ces nouvelles plumes, ceux qui vont faire, bien évidemment, les littératures africaines de demain. La programmation, elle est construite autour d'un certain nombre de formats. Nous allons refaire un certain nombre de formats qu'on a déjà fait l'année dernière, pardon. Genre les cafés littéraires, les palabres. Bien sûr les rencontres des dédicaces, la librairie sera toujours là, il y aura également une exposition. Mais nous avons un petit peu innové cette année avec un certain nombre de nouveaux formats. Nous voulons faire de la place à la jeune littérature marocaine, donc on a créé un slot qui s'appelle le panorama de la littérature marocaine. Nous allons aussi essaimer un petit peu dans la ville avec un programme hors les murs, puisque nous allons être dans des universités, nous allons être dans un certain nombre de grandes écoles, nous allons être dans des lycées pour proposer des masterclass, des ateliers d'écriture, ce qu'on appelle aussi des petits déjeuners littéraires. Et puis nous allons organiser aussi une dictée géante à Al-Manara qui va réunir peut-être 1000, 2000, 3000 personnes, qui sera ouverte à tous et qui sera donnée en trois langues, en arabe, en français et en anglais. Voilà, donc on vous attend tout simplement aussi bien au centre culturel, les étoiles Jemaa el Fna, mais aussi un peu partout dans Marrakech. Alors on est ravis d'accueillir la presse pour ce lancement de cette seconde édition finalement du FLAM, l'annonce officielle de ce FLAM 2, ce festival littéraire qu'on a voulu avec mes camarades Marie Binbin, Younes Hajara et Hanan et Saïdi. Alors FLAM 2 va être lancé ici au Maroc depuis Casa, mais ce festival donc littéraire de Marrakech, on le voulait comme un peu comme une torche et on espère que FLAM va illuminer par ailleurs, après, au-delà des mers, parce que vous savez très bien que la littérature est porteuse d'imaginaire et ce sont les imaginaires qui permettent de combattre l'ignorance. En fait, le continent africain, c'est 54 pays et beaucoup d'incompréhension et d'ignorance qui nourrit une certaine violence. Et il était important que ce soit les écrivains qui portent une nouvelle parole, une parole d'espoir, d'ouverture, que les uns puissent aller vers les autres. Et que de cet espoir, de cette ouverture vers l'autre, naisse un échange, un lieu qui soit meilleur, que le monde soit meilleur. Parce que quand il y a moins d'ignorance, forcément, il y a moins de violence. Et vous savez que le monde
malheureusement actuellement est porteur de beaucoup de violence. Et c'est parce qu'on va créer et avoir des lieux comme le Flamme à Marrakech, où les gens pourront se réunir, qu'on va apprendre à mieux se connaître, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Maghreb, du Nord, et toutes les diasporas. Et c'est en créant cet espace d'échange que le monde, on espère, sera meilleur.